Vous allez récupérer une copie en local pour pouvoir travailler sur la nouvelle étape, donc la réflexion autour du SEO, donc le référencement naturel. L'objectif aujourd'hui, donc, de récupérer cette copie en local, de le mettre sur un site, sur votre machine, pour pouvoir installer les plugins liés et travailler chacun de votre côté sur une copie. Si le numérique pour vous c'est du chinois, mais que vous êtes quand même fasciné par ce domaine et séduit par le potentiel d'employabilité de ces profils tech, alors le métier de référent digital peut vous ouvrir de nouveaux horizons. Et plus précisément des horizons de qualité de vie en zone rurale. Ici en Corrèze, une école s'est ainsi spécialisée dans la formation à ce nouveau métier particulièrement adapté au tissu économique local. Innovation vous emmène à Tulle, à la découverte de ceux qui se cachent désormais avec plaisir derrière des écrans. Partax est une association qui a été fondée en mai 2017 et qui a pour objectif de développer les usages du numérique sur le territoire de la Corrèze. À partir de là, on a déployé deux volets d'activités principaux. Le premier qui est la formation professionnelle vers les métiers du numérique au sein de notre école de formation Corrèze Digital School. Et le second, c'est l'inclusion numérique et le développement des nouvelles formes de travail avec notre tiers-lieu des bains-douches numériques de Tulle. Un tiers-lieu qui permet une première initiation au numérique et de l'aide pour des démarches administratives en ligne. Mais si l'on veut aller plus loin et en faire son métier, c'est une formation plus intense qui est proposée et qui permet d'obtenir une certification de référent numérique. Formation de référent digital, donc on appelle ça à peu près le couteau suisse du numérique. Donc c'est une formation qui est sur 6 mois à temps complet plus un mois de stage pour les apprenants. Et le but, c'est de leur faire découvrir un grand panel de choses autour du numérique pour les amener à aller dans une entreprise et devenir ce couteau suisse, c'est-à-dire connaître toutes ces thématiques différentes, que ce soit du développement de sites internet, de la communication, de la gestion de projet, plus tous les petits à côté de la culture numérique qu'on peut avoir. Parce que le problème qu'on peut avoir sur un territoire comme le nôtre, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir forcément dans une petite entreprise le besoin pour une personne vraiment spécifique, un graphiste, un développeur web, mais on peut avoir besoin quand même de ces compétences numériques. Et dans ce cas-là, ça peut être intéressant d'embaucher une personne qui connaît un peu toutes ces compétences, qui s'est forcément spécialisée un peu par ses propres appétences sur certains sujets, mais qui aura une connaissance de tout et qui permettra de faire le lien entre des professionnels et l'entreprise dans laquelle il est, ce qui permet justement d'apporter cette compétence numérique au sein d'une entreprise. Autre originalité de cette formation, elle est ouverte absolument à tout le monde. Attention, il faut néanmoins être sérieusement motivé. Elle est accessible à tout le monde sans condition de diplôme ou de prérequis technique. On a un dossier de candidature qui est assez important à réaliser par chacun des candidats en amont de la formation. On va poser des questions principalement sur la motivation. Ça, c'est notre critère premier, sur le projet professionnel, donc que ce soit rejoindre une entreprise, pouvoir travailler en auto-entrepreneur ou par exemple pouvoir également poursuivre vers des études plus techniques, plus poussées sur certaines thématiques ensuite. Et puis, on va aussi demander la réalisation de certains tests techniques que tout le monde peut faire, mais qui sont quand même assez exigeants et qui demandent beaucoup de curiosité. Et c'est quelque chose de transversal dans la formation, ce besoin de curiosité et la capacité à pouvoir mobiliser des informations par soi-même. Et après cette phase de dossier, donc on a des entretiens qui sont menés avec nos apprenants sur une demi-journée où on a des jurys très courts sur ces mêmes volets, donc motivation, contraintes administratives et compétences techniques. Et en parallèle, on mène des ateliers collectifs pour voir un petit peu aussi le comportement de chacun en groupe, puisque la dynamique de groupe, elle est au cœur de la formation. On fonctionne, comme je le disais tout à l'heure, à 90% en projet pratique concret en équipe. Donc il est bien sûr nécessaire de pouvoir s'adapter à du collectif. Pas réellement de nombre limite de stagiaires, même si les promos restent petites. 14 étudiants ont cette année réussi les tests d'entrée avec des projets et des parcours très différents. Ça répond un petit peu à mes attentes. Moi, j'ai fini ma mission chez un précédent employeur où j'ai exercé pendant près de 15 ans au sein des collectivités territoriales. Et là, j'ai envisagé de faire un break justement avant de reprendre éventuellement mon activité principale, mais comme aussi depuis 4-5 ans, j'ai développé ma micro-entreprise où je propose justement des prestations pour créer des sites web dédiés principalement plus sur les petits artisans, les petits commerçants qui n'ont pas éventuellement les moyens d'acquérir un site internet avec des grandes agences. Je sors des études, donc après j'ai fait des études en communication graphique et donc c'est plus basé sur les imprimeries. Et donc j'ai fait après pas mal de bénévolat, surtout dans des associations. Sauf que
le monde de l'imprimerie, c'était assez restreint et je suis plus porté par le monde d'Internet et du numérique. Donc cette formation-là, c'était un vrai plus. C'est une reconversion professionnelle pour ma part. J'étais commercial. J'avais un petit peu perdu la fibre commerciale. L'envie de vendre était un peu partie. Et j'ai toujours eu une passion pour le numérique et le digital. Des vieux projets de création d'entreprise ou de travailler dans le web. Et du coup, Cortec et la formation de référent digital a été une opportunité. J'ai eu la chance d'être sélectionné, donc me voilà maintenant avec mes camarades en train d'apprendre un nouveau métier, une nouvelle façon de travailler, une nouvelle organisation, un nouveau management, beaucoup plus amusante que la vie que je pouvais avoir avant, beaucoup moins stressante, beaucoup plus axée sur les besoins des clients qu'on est amené à rencontrer, vraiment répondre aux besoins de clients et non pas aux besoins de l'entreprise que je représente. Ça change la vie. Changer la vie de ceux qui n'avaient pas trouvé leur voie, mais aussi s'adapter à une employabilité maximale en écoutant les besoins des entreprises locales. C'est peut-être un lien évident, mais relativement nouvellement pris en compte dans le design des formations. C'est innovant dans le sens où, justement, on a tendance actuellement à vouloir... Effectivement, il faut des personnes qui sont très qualifiées dans un domaine. C'est important qu'on ait des personnes qui soient très qualifiées, mais pour des petites entreprises dans des zones rurales comme ici, on oublie le fait qu'une petite entreprise ne peut pas se permettre d'embaucher à plein temps une personne qui est ultra qualifiée dans un domaine. La formation n'a pour l'instant que 3 ans d'ancienneté, mais qui sait, peut-être ces jeunes diplômés pourront-ils être les fers de lance de la nouvelle organisation du travail en Corrèze, polyvalente et à distance, depuis, qui sait, le tout nouveau tiers-lieu.